Je vous ai pas vu, mes amis. Allez, venez, suivez-moi. À Strikeland. Lui, c'est Chips. Chops. Le plus loyal des agents de sécurité qui existent. Il prendrait une balle pour moi. Non, ça sûrement pas. Oh, tellement humble. Ici, ce sont tous les plus grands moments des Super Strikers. Ennuyeux, ennuyeux, tout le monde s'en moque. Ah, ça, c'est une vraie relique. Maintenant, allons voir l'équipe. Salut, les amis. Bon, mais t'es malade, mon frère. Hé, El Matador, mec, je peux savoir ce que c'est, ça? Vous êtes les invités de mon émission de télé-réalité. Quoi? C'est une blague? Tu peux pas nous filmer sans nous demander avant? Mais vous avez signé un droit à l'image. Tu sais que c'était pour une carte d'anniversaire. C'est ça, oui, pour ta grand-mère malade. C'est trop long. Chopez-le. Rattrapons-le. Reviens ici. Ça s'est très bien passé, je dirais. Vis ma vie de elle. Living the L life. Mais enfin, c'est totalement insensé. Ça marchera jamais, mon pote. C'est n'importe quoi. Les amis, les amis, arrêtez de crier tous en même temps. Parlez l'un après l'autre pour que la caméra entende bien toutes les horribles choses que vous dites. El Matador, on passe assez de temps comme ça sous les projecteurs. Pas de panique. Votre vie privée est de la plus haute importance pour moi. Hein? C'est pas vrai. Je le savais. Hé, c'est mon émission. T'es pas autorisé ici. Oh si, je le suis. T'aurais dû lire nos contrats avant de nous piéger pour qu'on les signe. Et à présent, les amis, vous allez découvrir l'endroit où la magie s'opère. Même pas en rêve. Il est hors de question qu'une équipe de tournage assiste à l'entraînement. Oh. Bah, l'entraînement fait baisser l'audience de toute façon. C'est pas assez théâtral. Ça le devient quand El Matador n'a pas son eau minérale préférée. Hé, Glacial Mist, ce n'est pas n'importe quelle eau minérale, je te signale. Elle est issue d'un glacier vieux d'un million d'années. Glacial Mist. Très bien, messieurs. On joue les cosmos la semaine prochaine. Je vous veux au meilleur de votre forme et prêt pour le combat. Et concentré à 100%. Vous inquiétez pas, coach. Je suis paré pour l'action. Les défenseurs, vous pouvez trembler. Vous allez vous retrouver au beau milieu de... de la Matatempête. Sérieux? Ouais, mes gimmicks sont pas encore au point. Trop facile. Bien tenté. Et maintenant, le coup de grâce. On est dans ton camp. Pardon. Ah, cette stupide émission semble avoir une bonne influence sur le jeu d'El Matador. Et vaudrait mieux que ça continue. On se retrouve à l'aéroport frais et reposé. T'inquiète, reçu, capitaine. Frère. On verra. Ça veut dire quoi, on verra? Relax, capitaine. Je crée un peu de suspense pour les caméras. La base de toute bonne télé-réalité, c'est l'attention. Il est si naturel. Je suis là! Soyez rassurés! Excusez-moi, Barry ici! Je veux parler à tous les spectateurs d'une chose très importante. Mannequin étudiant a été injustement arrêté alors que c'est... Tes bavardages inutiles vont faire baisser l'audience! Continue comme ça, et je demande au public de voter contre toi! Ce que tu crois? Ça fonctionne pas comme ça, ces programmes! Je me trompe? Je vais porter tes bagages, El Matador! Mais ne fais pas voter contre moi! Est-ce que ça va, mon vieux? J'en reviens pas, ninja. Cette émission est vraiment nulle. Ah, m'en parlez surtout pas.
Heureusement, je suis là pour leur apprendre à quoi de ressembler ce genre d'émission. Ninja Style. Ninja Style. Quoi? Vraiment n'importe qui a son émission de télé de nos jours. El Matador, bonne nouvelle. Living the L-Life, caracole en tête des audiences. Tout le monde la regarde. Ah, ouais. Tu es une vedette, El Matador. Mais il y a un minuscule problème. Attendez, je devine. Cet hôtel n'a pas de glacial mist. Je crois que c'est encore pire que ça. Ninja Style est monté en flèche à la deuxième place. Je vois, ok. Je vais montrer à tout le monde que Living the L-Life est la moins bidon et la plus authentique de toutes les télé-réalités. Coupé. J'aimerais qu'on la refasse une fois. Je pense que ça manque un peu de sincérité. Oh. Lequel des deux bandeaux choisira Ninja? Oh! Ah ouais! Ouh. Quel mât tu veux, lui, non? Ah, c'est pas vrai! Non mais sérieux, ils viennent de te livrer ton eau d'iceberg à la noix. Mais c'est pas ça, Shakes! Je me suis donné comme jamais et mes audiences sont toujours au coude à coude avec celles de Ninja Style! Oh. C'est une émission de télé-réalité, mon pote, là, je te laisse. Oh, comment as-tu aussi? Pas besoin de monter dans les tours, Klaus. Tu peux pas être viré par le public. Mieux vaut prévenir que sortir. Très bien, messieurs. Match d'entraînement. En attaque, je veux une implication intense. En défense, ne lâchez pas la pression. Quant à l'équipe de tournage, fichez le camp de mon terrain. Ah oui, oui. Notre public se moque complètement de cette partie-là, de toute façon. Tu te souviens bien de ce qu'on a dit pour le jour du match? Le maximum de drame. T'en fais pas. Je sais faire. Hé, hey, les amis, ça va mes cheveux? Ils ont barbé. J'attends. Waouh. On se concentre, El Matador. Essaie d'arrêter ça, Ninja. Ma jambe! Je ne remarcherai sûrement plus jamais! Chase, renvoie-la moi! Ah! Comment ça, il y a hors-jeu? C'est une blague? Vous êtes aveugle? Ah, c'est vraiment scandaleux! Hé! Hey, à quoi tu joues, là? Je m'entraîne pour le match, quelle question! Regarde ça! T'as vu ça? Je suis fort, hein? Regardez, Living the L-Life! N'oubliez surtout pas! Tu sais que t'as même pas marqué? Oh, mais ça, c'est du détail! El Matador! Tu crois que 90 minutes assis sur le banc, ce sera bon pour ton audience? Relax, coach! Je compte bien aussi battre Ninja sur le terrain! Parfait! C'est pour ça que je veux que tu te couches de bonne heure ce soir. D'accord, coach. Bon boulot, les amis! Et je dis ça surtout pour moi! Hein? Toi? Toi? Moi? Moi? Ah, toi? Moi? Moi? C'est notre émission! Surtout, c'est notre émission! Je veux de l'attention, El Matador! Je n'avais pas revu ça depuis la fois où l'équipe des chats domestiques les plus détestables s'était retrouvée sur le plateau des plus beaux canapés anciens! C'était monstrueux. Aujourd'hui encore, j'en fais des cauchemars chaque nuit. Finalement, il t'arrive d'être dans de bonnes émissions. Répète! J'arrive pas à t'entendre d'où tu es, numéro 2! T'es trop bas! Pas pour longtemps. J'organise une super méga fiesta ce soir. Tout Las Vegas sera de la partie!
Ah ouais? Alors attends de voir ce que moi j'ai prévu. Et qu'est-ce que c'est? Hein? Je vais aller me coucher de bonne heure. C'est tellement triste que je me retiens presque de pleurer. Mais presque. Soyez les bienvenus pour une super Nouva sous les étoiles qui repoussera les limites du grandiose. Et voici la vedette de votre show, Ninja! Sur sa moto, qui arrive par hélicoptère, piloté par des tigres blancs de Sibérie. Ah, d'accord. Puisque c'est ça, il va falloir que je fasse quelque chose de théâtral. Super. Je suis vraiment fier d'El Matador. Il a fait preuve de maturité et de professionnalisme. Oh, où est-il? Courez! Il se rapproche! Pardonne-moi! Non, attendez! Ah! Aujourd'hui, c'est le jour où j'explose Ninja et les audiences. Quoi? El Matador! Tu m'as désobéi! C'est anti-professionnel! Tu l'es! Croyez-moi, vous n'avez pas envie d'entendre ce que Coach a dit. Et maintenant, tu vas courir! Jusqu'à ce que... Non plus. Avancez. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui a causé ça. Coach, si je suis sorti hier, c'est pour de bonnes raisons. Je voulais... Si tu savais combien je me moque de tes justifications, bidon. Mais j'ai des preuves. Regardez le dernier épisode de Living the Hell Life. Et si jamais je vous renvoie près du terrain, vous allez devoir rebaptiser votre émission Le Coach Meurtrier. Deux équipes marchent vers l'affrontement, mais une seule des deux équipes marche vers la victoire. Qu'est-ce qui arrive à ta voix? Tu t'es encore époumonée sur du karaoké hier soir? C'est ma voix de narrateur de télé-réalité. Tous les joueurs de la Super League ont leur émission et je veux ma part du gâteau. T'as assuré avec cette fête, moi, Ninja? C'est vous qui avez fait tremper dans le jacuzzi avec les tigres blancs de Sibérie. Et elle déchire! Il déchire plus! Dis-moi, Kid Junior! Au moins, il y a un coach qui comprend! C'est parti! Les Cosmos feront-ils mentir les pronostics avec cette offensive pleine d'audace? Eh bien, il semblerait! Les Cosmos sont en grande forme! L'histoire se résume à cette formule: un homme, un ballon. Et un tacle incroyable! Klaus a littéralement glissé pour réussir son coup. Qui aime les Strudel et ne sera pas sorti de l'émission par le vote du public? C'est moi! Les Super Strikers ont l'occasion de riposter! Les hommes en rouge n'auront jamais plus une telle occasion dans leur carrière! On va supporter cette voix pendant tout le match? Évidemment! Ou peut-être pas. Vous devrez attendre pour le découvrir. Hey! Que me cache la vue! Nos audiences sont cuites.
La fin de la première période est proche. Et les équipes doivent lutter contre la montre. Tic-tac. 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 Belle manœuvre de ninja. C'est un contre un. C'est un échec lamentable. J'attendais mieux du capitaine. Et c'est la mi-temps. Les deux équipes survivront-elles à la deuxième et ultime période? Oui, évidemment. Parce que ce n'est que du football. Alors, c'est comment la vie sur la Matatouche? Une vanne 100% made in ninja qui m'est venue comme ça. Tes vannes sont encore pires que tes tirs. Peu importe, le numéro 2... Bah, je me moque complètement des audiences. Pourquoi? Ça compte tellement. Ok, c'est bon, je crois que je me suis remis, là. Pourquoi? C'est un peu bizarre de dire ça, mais El Matador nous disait la vérité. Tu as peur d'être éjecté de El Life? Mais non, Klaus. Les audiences de son émission ont chuté hier soir. Ça s'est pas arrivé s'il était sorti faire la fête. Mais alors, qu'est-ce qu'il a pu faire? J'en sais rien. Mais par contre, je sais comment le découvrir. Ah, oh, d'accord. Ouh, j'adore cette émission. Mais pourquoi ne m'a-t-il pas simplement dit ce qu'il avait fait? Parce que... l'essence de la télé-réalité, c'est le suspense. J'ai trouvé l'intrigue plutôt bonne. Il n'était pas question que je rate la première mi-temps. Jouer pour les Super Strikers vaut bien plus que les meilleures audiences. Tu n'es pas à 100% responsable, El Matador. Et majoritairement... je dirais autour de 95%, mais pas 100%. J'aurais dû t'écouter, je le reconnais. Ça veut dire que je joue la deuxième mi-temps? Possible. Rien n'est encore sûr. Restez, si vous voulez le savoir. Là, vous commencez à piger. La seconde mi-temps vient de débuter. Mais qu'est-ce que c'était? Je peine à le croire. Serait-ce possible? El Matador vient de surgir de nulle part. Vous saviez qu'il était entré il y a au moins 5 minutes de ça? Tu crois toujours pouvoir rivaliser avec moi, numéro 2? Les seules nombres qui comptent pour moi, ils sont sur ce tableau. El Matador est dans une forme éblouissante. Montre-moi ces gars-là pourquoi on est des superstars. C'est de la passe! Qui sait? Du grand art! Quel style! Quel suspense! Remettez-vous sur le match, tout de suite! Super Striker pour la vie! Incroyable! Magnifique. Yeah! On a réussi! Je suis toujours dans l'émission! Wouhou! El Matador! El Matador! El Matador! Vois le bon côté des choses. Tu es toujours la plus populaire des stars de la télé. Hein? C'est vrai? Ouais! Tu es carrément devenue une star d'Internet. Ne braquez pas ce truc sur mon visage. Bon, je crois qu'il ne reste plus qu'une seule chose à dire. Klaus, le public t'a éliminé. Non, non, pas moi, pitié. Non, non.